Alors la JAG, c'est au mois d'octobre. Octobre, octobre rose, la lutte contre le cancer du sein. Donc il faut y penser, penser à toutes celles qui luttent, tous ceux qui luttent, le cancer du sein, mais aussi tous les cancers en général et tous ceux qui les accompagnent. Parce que c'est une maladie, c'est un grand raid. Tu n'as pas demandé à t'inscrire, la vie t'y inscrit. Tu es obligé de lutter, tu es obligé d'avancer. Tous les traitements, c'est chaque épreuve, c'est le chemin des Anglais, toutes ces épreuves-là, elles sont terribles, mais tu n'as pas le choix d'avancer, c'est pour vivre. Et là, tu survis et tu es heureux, et c'est pour ça qu'après, il faut continuer le sport. Et tu es toi-même concernée? Alors oui, ben ouais, j'en parle comme ça parce qu'en fait, moi-même, j'ai passé cette épreuve. Donc le hall inclusive, la chirurgie, la chimio, le traitement ciblé, la radiothérapie. Et je suis contente, je pensais me relever, mais vraiment très affaiblie. Et j'arrive quand même à courir et je profite de chaque instant. Je profite deux fois plus de la vie et je vis plus intensément. Donc courage à tous ceux et toutes celles qui luttent et bravo.